Bienvenue sur le stand AEG pour cette IWA 2014. Donc on va faire un petit tour du stand avec les quelques nouveautés Airsoft qu'on a à vous présenter. Donc attendu depuis un petit moment, voilà, ça y est, on l'annonce pour une commercialisation en Europe à partir de juin. Donc le Scorpion Evo 3, la version A1. Donc t'as sous les yeux une version finie. Donc les dernières infos, cache flamme, garde-main et cross seront fournis par CZ. Donc ce seront les vrais. Au niveau des matériaux utilisés, on utilise les mêmes polymères que CZ, ils nous ont autorisés, et ainsi que leur moule. Donc toute la mécanique derrière est vraiment une mécanique qui a été 100% designée, créée et fabriquée par AEG, développée par AEG pour pouvoir intégrer les cotes du vrai Evo. On a travaillé sur les vrais dressins 3D donc du Scorpion Evo. Au niveau de la batterie, donc il sera prêt pour encaisser de la lipo jusqu'à la 11 volts. Donc la lipo en stick que vous glisserez en détachant le garde-main, vous la glissez au fait au-dessus de la gearbox. Donc qui dit lipo et gun prêt pour la lipo, ça veut dire qu'on a un MOSFET qui est intégré. Donc pareil, hein, fabriqué en Europe. Donc qui permettra d'avoir les 4 modes de tir, donc la sécu bien sûr, le semi, le burst et le full auto. Le burst serait bien sûr programmable, hein, on tirera entre 3 et 12 coups environ. La possibilité de passer complètement aussi en semi-automatique pour les gens qui veulent être verrouillés en semi, donc sur les OP. Chargeur mid-cap, donc 120-140 coups, avec un arrêt du tir quand le chargeur est vide. Voilà, donc on remet un nouveau chargeur, on redéclenche l'électronique et ça repart. Au niveau de la gearbox, je t'emmènerai tout à l'heure voir l'éclaté pour un peu plus de détails. Chose très importante aussi, la possibilité de changer le ressort de manière rapide avec donc un accès direct au cul de la gire, au spring guide. La puissance sortie de boîte devrait tourner entre 1 joule 2 et 1 joule 5. Voilà, donc la possibilité de downgrader pour tous ceux qui veulent jouer en full auto en ASOS à 350 fps très facilement. Est-ce qu'on a une première idée du prix ou pas encore? Pas encore d'idée du prix, je pourrais pas vous le dire. Ok, juste pour parler un petit peu accessoires, donc nous on l'a habillé avec quelques accessoires d'airsoft. Le cache-flamme, je disais, c'est un vrai cache-flamme, donc il est en pas horaire. Hein, la plupart des accessoires Airsoft sont en pas anti-horaire, donc on aura un adaptateur qui sera fourni pour pouvoir adapter n'importe quel type de cache-flamme Airsoft. On aura également un adaptateur qui permet de passer le silencieux du MP9 dessus pour lui donner un look assez agressif. Au niveau d'autres accessoires, on a donc les coupleurs de chargeurs qui seront disponibles, qui seront fournis également par CZ, et la sangle, donc une sangle 1 point, pareil, fournie par nos amis de chez CZ. Donc comme je vous disais, on va parler un petit peu mécanique. Donc vous voyez ici un éclaté de la réplique et un éclaté de la gire. Donc au niveau de la gire, au niveau de la coque, on a essayé de se rapprocher de la coque V3, donc la coque de la gire de la car. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une gire qui tenait très très bien le choc, encaissait beaucoup de choses, donc qui nous paraît vraiment solide. On a un MOSFET donc, en interne qui a été développé toujours par notre ami qui nous fait les ASCU, donc qui est déjà installé et donc qui est vraiment un système propriétaire à cette gire puisque la forme est particulière. On voit bien ici le système de changement rapide de ressort donc avec le spring guide amovible. Donc le MOSFET qui sera, comme je vous le disais, programmable pour avoir un burst de 3 à 12 coups et la possibilité de le verrouiller complètement en semi-automatique pour ceux qui veulent jouer uniquement en semi sur des OP. On a un hop-up qui est complètement nouveau au niveau du design aussi et qui est vraiment cranté. Donc voilà, le réglage sera je dirais, classique et en même temps, la possibilité de déréglage du hop-up pendant le jeu sera vraiment limitée.